Et salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi The Rich TV. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, avec Resistance Fall of Man. Donc la chute de l'humanité, littéralement, pour vous dire à peu près ce que ça veut dire. Nouvelle licence à l'époque d'Insomniac Games, qui nous avait fait Ratchet, qui nous avait fait Spyro, sur les deux dernières consoles de Sony. Et là, à l'aube en fait de la... de la sortie de la PS3, tout simplement, ils ont dégainé les premiers dans les studios internes de Sony pour nous présenter un jeu et nous proposer, pardon, un titre totalement exclusif qui est ce Resistance, pardon, Fall of Man, produit et conçu bien entendu par Ted Price, qui est à la tête d'Insomniac Games. Donc le titre fait partie du line-up de la PS3 à l'époque. C'est pour ça que ça m'intéresse en fait aujourd'hui. Parce que le jeu, voilà, il va avoir bientôt 8 ans d'existence. Truc assez assez incroyable. 8 ans, même 9 ans d'existence. Et le jeu, voilà, il est sorti voilà sur tous les territoires Resistance au line-up de la PS3, mais il est sorti également dans un contexte où on avait eu Ridge Racer 7, Call of Duty 3 et Motor Storm. Exactement, le jeu est sorti en Europe le 23 mars 2007, mais au Japon est sorti et aux States il est sorti le 17 novembre 2006. Donc ça fait quand même une perte de temps. On va regarder un petit peu les options. Vite fait rapidement les options audio et vidéo. Donc le volume de la musique est baissé, c'est parfait, le volume des dialogues est monté. Décidément, c'est réglé à la perfection comme je l'aime. C'est dingue ça. On va mettre les sous-titres en revanche, ce sera mieux pour vous. Donc ouais, j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu le jeu, voir un petit peu ce que ça allait donner. J'en avais eu absolument aucune idée, donc c'est vrai que pour le coup, je suis curieux. En fait, je suis vraiment curieux, puisqu'à l'époque, je sais qu'on avait quand même Perfect Dark Zero sur Xbox, qui était une exclue, en l'occurrence. Donc, c'est vrai qu'il tirait parti des capacités de la Xbox 360, mine de rien. La référence sur PC, en tout cas, Half-Life 2, sorti 2 ans plus tôt. Far Cry Instinct sur 360 en 2006. Et Call of Duty 3, qui était, voilà... la référence console en ce qui concernait justement le FPS. Donc ce jeu, il est arrivé un petit peu dans ce contexte là et je suis assez impatient en fait de voir un petit peu ce que ça donnait. C'est un des premiers jeux si vous voulez de la PS3. C'est voilà la première exclue, la deuxième exclue de la PS3 avec avec Motor Storm. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner, tout simplement, à titre posthume entre guillemets. Voilà, donc on va commencer tout de suite la campagne. On va pas perdre de temps, nouvelle partie. On va mettre en normal, même si apparemment la campagne est réputée pour être assez difficile, même en normal, justement. On en a pour environ une bonne quinzaine d'heures de jeu, donc on va regarder tout ça en détail. On n'inverse certainement pas les axes. Hors de question. Vous me connaissez, hein. Donc on va pas se prendre la tête. Si j'ai galère, tant pis, hein. Je suis vrai, je reste sur... La menace chimérienne est née en Russie. Sur mes qualités propres. C'est inconnu, mais ses effets furent aussi dévastateurs que rapides. Dans les années 30, des témoignages portant sur des expériences biologiques ont commencé à sortir de Russie. On parla de villages détruits du jour au lendemain, puis de villes entières. Nous avons craint la mise au point par les Russes d'une nouvelle arme à la puissance sans égale. La vérité était bien pire. Les chimères restèrent confinées à la Russie pendant plus d'une décennie. Puis, en 1949, elles lancèrent une attaque qui submergea toute l'Europe en quelques semaines. Pendant plusieurs mois, nous crûmes l'Angleterre en sécurité. Mais en octobre 1950, les chimères creusèrent sous la Manche. Nous les attendions de pied ferme. Mais 3 mois plus tard, la guerre était perdue. Nous abandonnâmes les villes aux chimères et nous retirâmes dans plusieurs bases et avant-postes militaires. Les chimères avaient vaincu. Le 11 juillet 1951, les Américains lancèrent une attaque sur la côte est de l'Angleterre. Dans la seconde vague de cet assaut se trouvait un sergent du nom de Nathan Hale. Les actes de ce soldat sont devenus un objet d'étude et un mythe. Voici les événements connus de sa vie, qui ont eu lieu du 11 au 14 juillet, jour de sa disparition. «
Américains ne soupçonnaient pas ce à quoi ils devraient faire face. Le gouvernement américain avait fermé ses frontières en 1950. Radios et journaux étaient devenus propriété de l'État. Seules les plus hautes sphères gouvernementales connaissaient la vérité. L'opération était un échange. Les Américains apportaient des fournitures et des tanks à York. Nous leur donnions notre unique arme secrète. Une chose que nous pouvions leur offrir et qu'ils ne pouvaient construire eux-mêmes. Je commandais l'équipe de convoyage devant retrouver les soldats américains. Il y eut une embuscade à Manchester sur la route du rendez-vous. Il était impossible de prévenir les Américains. Ils étaient seuls à York, face à un adversaire dont ils ne savaient rien. Nous n'avons jamais vraiment appris ce qui leur arriva. Tout ce que nous savons, c'est que Nathan Hale fut le seul survivant. Go! 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 Bon, pour la cinématique, je m'attendais à un truc plus dégueulasse que ça en 2006. Je suis assez surpris. Donc c'est bien en tout cas, c'est que je vais pas avoir besoin de vous raconter l'histoire, même si je vous donnais quelques petites précisions, on se retrouve dans un univers uchronique, c'est-à-dire un mélange de fiction et de réalité, mais dans un passé alternatif, où la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu, mais vous le voyez, un virus du nom de la chimère a envahi l'Europe rapidement, mais à la vitesse vitesse éclair, hein, comme vous l'avez vu, en une semaine, selon la narratrice, il avait envahi l'Europe. On sait pas trop ce qui procure ce virus, on sait pas trop ce qui cause. L'Angleterre ayant résisté quand même, n'a pas réussi à résister totalement, puisque le virus chimère a creusé sous la Manche, a réussi à infecter l'Angleterre directement, des renforts américains sont arrivés, en la personne de Nathan Hale, qui je pense sera le personnage que nous allons diriger tout au long du jeu. Voilà, donc on va lancer le 11 juillet 1951 à 6h13, Greenwich Meridian, opération de délivrance. C'est parti. J'ai hâte de voir le gameplay pour le coup. Dabrowski, chef, en unité, vas-y. Viens avec moi, on y va. Batterie en plein temps. R1 pour tirer, ok. Oula! Attention. Ok, la grenade c'est rond. Oh putain, les explosions, c'est pas mal, c'est assez dynamique mine de rien. En revanche, les contrôles, ça a l'air totalement totalement chelou. Totalement old school, en fait, au niveau des contrôles. On va tout de suite aller voir dans les options ce qu'on peut faire de mieux. Parce que là, j'avoue qu'au niveau des contrôles, c'est un peu la merde. Est-ce que je peux modifier ces contrôles? C'est surtout ça qui va m'intéresser. J'ai pas l'impression, malheureusement. Donc, les actions de corps à corps, c'est triangle, le lancer de grenade, donc rond, croix pour sauter, carré pour recharger, donc ça, c'est bien. On a une lampe torche... Grenade suivante, grenade précédente, ok. Tir primaire et tir secondaire, donc avec L1, s'accroupir, putain c'est avec avec L2 quoi, oh là là, et la sélection de l'arme avec... ok, bon. Et j'ai l'impression que le perso court tout seul en tout cas. Écoutez, on va voir un peu comme ça. Bon, graphiquement ça a pas l'air trop dégueulasse pour l'instant, on va voir un peu... Ça a l'air passé, bien entendu, dépassé, mais... Je m'attendais à un truc un peu plus dégueulasse. Ça a le mérite d'être propre en tout cas. On dirait de la PS2 plus en de la PS2 lissée en fait. C'est assez curieux. Qu'est-ce que c'est ? Enfoiré. Ouais, on dirait de la PS2 lissée, mais lissée à 100% sans aucun défaut. Ce qui est assez rigolo. Alors le jeu, pour ses reviews à l'époque, je me suis renseigné quand même un peu la réception du public et de la presse spécialisée. Face à ce jeu, ça va plutôt, hein. 33 sur 40 sur Famitsu, 9,1 sur 10 par IGN, qui était globalement très impressionné par le titre. C'est assez surprenant d'ailleurs. 9,1 par IGN, qui était le premier journaliste occidentaux à tester le... Comment dire, à tester le jeu. Après sa sortie
bah voilà, après sa sortie, hein, tout simplement. Donc ils ont décerné quand même pas mal de prix pour le coup, IGN, et le jeu a remporté 7 prix dans la catégorie PS3, à savoir le jeu de l'année, le meilleur jeu en tir subjectif, la meilleure musique, le meilleur son, enfin voilà. Visiblement, ce titre-là, The Resistance Fall of Man, donc c'est vraiment la chute de l'humanité, hein, quelque part, l'histoire c'est raccord avec le titre. Et bien voilà, c'est le jeu de lancement quelque part. Voilà, il a récolté vraiment la plupart des, comment dire, la plupart des prix qui voilà qui concernaient les grandes qualités d'un jeu. Donc ça c'est assez bien à savoir. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu essayer le jeu. Bande d'enfoirés, ah, j'ai plus une grenade. Bon, ok, je peux tirer sur mes potes. Je crois que ça ne pose aucun problème. Ça n'a pas l'air évident quand même. Hein. Ils nous font mal les ennemis. Ok, il va recharger automatiquement, je pense quand même. Ok, le tir alternatif avec la grenade, ça c'est sympa. Impeccable. Ouais, donc j'ai l'impression vraiment d'avoir de la PS2. De la PS2 plus, vachement fluide, propre, non aliasé. Donc c'est vrai que regardez, attendons un peu. L'aliasing, c'est ça qui m'intéresse. Je vais regarder un petit peu, voir ce qu'ils avaient foutu à l'époque. Et bah c'est super propre, comme vous pouvez le constater. On voit que techniquement le jeu ne pousse pas la PS2 à fond, bien entendu. Enfin c'est logique hein, maintenant qu'on connaît bien la console. Surtout que voilà, même si elle est encore en période de commercialisation, la PS3 c'est fini. Hein. Soyons clairs, des titres dessus, on aura plus des masses, je pense, sur cette année 2015. Mais voilà, on voit qu'à l'époque ils se démerdaient quand même pas trop mal pour un lancement. Ils avaient eu l'intelligence, si je puis dire, de faire un jeu plus typé PS2. Je suppose que voilà, il y aura des trucs en plus, des bons effets de lumière, etc. Des trucs qui envoient. Mais voilà, ils avaient fait un truc voilà propre. C'est surtout ça, propre pour un jeu de lancement, et c'était très important, sachant que voilà, c'est un titre exclusif. Après, j'ai pas joué moi à Perfect Dark. Perfect Dark, comment ça s'appelle, Perfect Dark Zero à l'époque. Half-Life 2, je me souviens vite fait, mais pas plus que ça. Ah, il y a un petit peu de décor destructible, les vitres. Donc, c'est sympa. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les modélisations des persos et des bestioles, donc les chimères. Parce qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait. On nous dit, voilà, c'est le virus, les chimères, mais on sait pas plus que ça. Ok. Alors, visiblement, c'est des espèces de monstres à la forme presque humaine, ou est-ce que ce serait un virus, la chimère qui aurait muté, fait muter les humains, il y a de fortes chances. Ils ont 3 yeux sur le côté, des putains de crocs, un peu à la alien hein, quelque part, et on sent une petite influence à ce niveau-là. C'est assez ressemblant. Les pieds, qu'est-ce que ouais non, ça a l'air d'être des pieds normaux, peut-être avec quelques griffes. Ok, bon écoutez, on va avancer, on va voir. Donc oui, ils nous ont fait un truc propre. Moi je trouve ça vachement important et vachement bien d'avoir fait un truc propre à l'époque, histoire de voilà de montrer la PS3 est là, elle est présente pour quelques années, et c'est un avant-goût de ce que vous pourriez prendre dans la gueule. C'est vrai que quand on voit les jeux qui sont sortis en fin de vie de la PS3, comme notamment oh putain, je suis mort. Comme The Last of Us, notamment, ça fait toute la différence. Avec ce titre là. Ok, bon, bah, le checkpoint était là, donc ça ils va. Ils sont montés d'un cran. Le bruit des armes est correct, mais sans plus. Franchement, c'est surtout d'un point de vue sonore que j'aimerais bien voir si le jeu se démarque un petit peu. Je suis vachement gêné par le fait de pas courir. De pas pouvoir courir. Bon, ça va, on évite leurs balles assez facilement. C'est assez curieux. D'ailleurs, même en se déplaçant, sans avoir forcément besoin de se mettre à couvert quand on est loin, on arrive à les voir assez facilement. Comme dans un halo. Chose assez surprenante. On va aller reprendre les équipements qui traînaient par là-bas. Pour le coup, une bonne trousse de soins, ça aurait pas été de trop. Des grenades à fragmentation. Bon, ça, c'est intéressant. Des balles. Ok, on va pouvoir recharger. Faut que je pense à utiliser mon tir alternatif.
Voilà. Donc concernant Insomniac, ce qu'il faut savoir, c'est pas forcément le premier titre d'Insomniac dans ce registre. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Après Spyro le Dragon, après comment s'appelle, après Ratchet & Clank, de voir Insomniac dans ce registre du FPS. Il faut savoir que leur premier jeu commercial pour Sony, et en l'occurrence pour la PlayStation 1, était en 1996 avec un Doom-like, du nom de Destructor. Je sais pas si vous le saviez, bon en tout cas maintenant vous êtes au courant. Et il avait reçu un plutôt bon accueil comme étant un Doom-like plutôt réussi pour son époque, ce qui n'était pas une mince affaire, très sincèrement, parce que les Doom-like à l'époque c'était Légion, c'était vraiment le nouveau genre de jeu à la mode, et ils avaient réussi à tirer quand même leur épingle du jeu. C'est pas leur premier essai, quoi, tout simplement. Ceci explique cela, si vous voulez. On va utiliser le... Ok, j'ai rien pour le tir alternatif. On va balancer la grenade. J'ai complètement foiré ma grenade. Ok, donc à mon avis, là, c'est bon. J'ai entendu de la viande sur les murs, donc en théorie, ça devrait le faire. Attention, voir s'il n'y a pas d'alliés. Oh là, attention. On n'a pas de feeling de FPS nerveux comme on a pu avoir après sur notamment sur Killzone. Ce qui est marrant, voilà, c'est qu'en termes de graphisme, etc., ça me fait penser à Killzone sur PlayStation 2, le tout premier. C'est vraiment exactement le même feeling, même en termes de gameplay, bien que là ce soit quand même un petit peu plus cool en termes de gameplay, mais ça me rappelle vachement le truc. Tiens, les documents. Donc j'ai vu qu'on pouvait avoir des documents. Guide de conduite en territoire ennemi. Vous êtes désormais des ambassadeurs de votre pays. Respectez la chaîne du commandement. Tout renseignement doit être transmis à votre officier supérieur. Si aucun officier US n'est présent, gardez-le pour vous. Il est impoli de critiquer votre hôte. Il est militairement stupide de critiquer vos alliés. Souvenez-vous de cette règle de sécurité de base. Nom, grade, matricule, uniquement. Voilà. Donc ouais, comme je vous disais, graphiquement, c'est pas un truc de fou, ni dans l'animation, ni dans les textures visiblement, mais ça a l'air propre. Voilà, ça me fait penser à du Killzone, du premier Killzone, mais de manière très propre. Donc je suis assez surpris, agréablement surpris de ce qu'on trouve un petit peu là. J'ai vu que l'OST était signé une nouvelle fois, entre guillemets, par le compositeur maison d'Insomniac Games, David Bergeot. Donc David Bergeot qui s'occupait des musiques de Spyro, qui s'est occupé des musiques de la série Ratchet & Clank. Là, j'attends de lui vraiment avoir, des musiques un petit peu symphoniques, un peu épiques, orchestrales. Donc j'attends de voir, pour le coup. Ah, on peut sauter avec croix. Donc ouais, j'attends de voir un petit peu ce qu'il nous a sorti, David Bergeot, pour le coup, qui est un Français, hein, je vous l'avais dit dans ma review de Ratchet & Clank, si ça vous intéresse d'aller voir. Je me fais un petit peu d'auto-promo, hein, pour le coup. Ah, le nettoyeur est une arme principale des forces chimériennes. Ah, c'est cool, on peut récupérer les armes ennemies qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc un peu comme dans Halo, donc ça c'est bien. De toute façon, le jeu apparemment est un peu un pot pourri de tous les FPS de l'époque, visiblement. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, une nouvelle fois, à savoir. Et le cocktail est plutôt réussi, il y aura aussi de la conduite de véhicules, et une utilisation de la manette six-axis, on y reviendra après. Donc voilà, sa cadence de tir est rapide, son potentiel est destructeur, élevé, appuyez sur L1 pour tirer un marqueur, tiens. Lorsque l'ennemi est marqué, le marqueur attirera les tirs primaires du nettoyeur. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire qu'avec L1, avec le tir secondaire, on va marquer l'ennemi, et avec L2, avec R1, pardon, quand on va tirer, directement ça va faire suivre en fait les tirs sur le marqueur. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Je suis déstabilisé de pas pouvoir courir. Merde, pourquoi je balance une grenade? Attention. Il est mort? Oh merde! En plus j'ai... Putain la vache, ça fait grave penser aux armes d'Halo, c'est ouf. Ça me fait penser au Needler d'Halo. Truc de dingue. Voilà, putain, là-haut, corps à corps, il avait aucune chance! Ouais, ça me fait grave penser au Needler d'Halo. Ok, j'avais plus de munitions, de toute façon.
Ok, c'est, ça va. On se démerde pour l'instant. Le gameplay est pas dégueulasse. On s'y fait assez rapidement. Ok. Des grenades à fragmentation. Bon, ça va, il y a des munitions à peu près partout. Le gameplay est loin d'être dégueulasse, je trouve. Ça donne envie de continuer. Ça donne très envie de continuer la partie. Donc, je suis assez content pour le coup. De ce que ça nous propose pour l'instant, c'est une bonne surprise, même si graphiquement c'est forcément dépassé, ce qui veut pas dire que c'est moche, hein. C'est pas ce que j'ai dit, attention, mais ça donne envie de continuer, parce que le gameplay il suit, voilà, tout simplement, c'est important mine de rien, le gameplay suit, graphiquement c'est pas repoussant, on fouille un peu, histoire de voir, j'ai entendu, ça me fait marrer, on dirait vraiment des... Limite, oh putain la vache, on dirait un peu les cris des Covenants, c'est assez rigolo. Putain, ils m'ont défoncé direct. Ils ont l'air assez coriaces, ces enfoirés, hein. De toute façon, la difficulté du jeu, apparemment, parle pour elle, hein. Le jeu est assez relevé en termes de difficulté, donc il faut le savoir. Attends, maintenez R2 enfoncé, plus R pour changer d'arme. C'est quoi? Ah oui, plus le stick, quoi. Oh là là, putain, ce changement d'arme bidon. La carabine, ou le... Pas le leader, j'allais dire. Le marqueur, quoi. Je crois que ça s'appelle. Il faut que je fasse gaffe à ma jauge de vie en bas à gauche, vous l'avez vu, hein. On est sur du FPS old school avec une barre de vie. Marqué, ça fait plaisir, quand même, mine de rien. D'avoir un petit truc un peu old school. Qu'on voit plus trop aujourd'hui, ça va faire prendre un peu les bonnes vieilles bases quelque part. Ça fait plaisir. On va recharger. On va essayer d'être vigilant. Par contre, le fait de ne pas pouvoir courir, ça c'est vraiment gênant. J'ai envie de pouvoir me déplacer plus rapidement. Tiens, il y a un autre document. On va pas les lire pour l'instant, on s'en fout, on va continuer à jouer. C'est assez sombre quand même, hein, graphiquement. Je sais pas si on peut péter les vitres ici. Ah si, quand même, bien. Toutes les vitres? Même celles qui sont pas forcément prévues. Ah ouais, eh ouais. Bravo Insomniac Games. Là je dis bravo. Ils ont l'air de se déplacer hyper vite. Je sais pas, je l'ai vu faire un déplacement de dingue. Je sais pas s'il va se rapprocher ou pas, ça me permettra de juger l'IA. Ouais, j'ai entendu les bruits de pas. Heureusement, j'ai plus de grenade. Putain, enculé. Bien joué, monsieur la chimère. Bien joué. Le gros atout aussi du titre, c'est son multi. Multi sur lequel on peut jouer à 40, de ce que j'ai vu. Je crois que les serveurs sont fermés, désormais. Vous me direz pour ceux qui en sont sûrs, mais de mémoire, j'avais entendu ça. Hein. Ouais, le multi est fermé. En revanche, on peut toujours faire la coop, la campagne en coop, pardon. Donc ça, c'est assez intéressant. Très inspiré du coup du jeu de Bungie, de Halo. Mais bon, pourquoi pas s'inspirer des trucs qui marchent. Je vois aucun inconvénient pour ma part. Ok, on va essayer de jouer vite et jouer bien. Ils ont l'air coriaces, ces enculés, mine de rien. Coriaces. Du coup, sachant que la série compte plusieurs épisodes, hein, elle en comporte 5, c'est-à-dire 3 sur console de salon, 2 sur console portable, 1 sur Vita, 1 sur PSP, j'ai hâte et je suis assez curieux de savoir ce qu'ont donné les épisodes suivants avec une technique peut-être un petit peu plus au point. Je suis certain qu'on avait quelque chose de bien.
Ok, ça y recharge assez rapidement. Ça, c'est cool. Je crois que je les ai tous eus. En plus. Ah, nickel. Ça, c'est bien. C'est nickel. Je vais regarder juste vite fait au niveau de la capture ce que ça donne. Si on est bien. Visiblement, ça a l'air de le faire. Donc, c'est cool. Ça manque par contre d'ambiance sonore. Hein. Là, directement in-game. Je trouve ça un peu dommage. Je sais pas d'où ça vient. Si ça vient de derrière ou pas. Peut-être là sur le côté. Non. Ou alors d'en bas. Non. Je pense que ça vient de là-bas. On n'a aucune indication quant à nos checkpoints. Si on a passé un point de contrôle ou pas. Donc ça, c'est vrai que ce serait cool. Alors attendez, je teste un truc. Ah ouais, j'ai qu'un seul écouteur. Donc je peux pas entendre les voix de mes camarades. J'ai qu'un seul écouteur là pour pouvoir entendre. Donc du coup, c'est pas évident. Je vais descendre directement par ici. Voyons un peu cette végétation. Ouais, c'est du classique, hein, avec les textures pas extraordinaires, mais c'est propre. C'est vraiment propre. Regardez, petits effets de brume. Sympa. Sachant qu'à l'époque, en 2006, il n'y avait pas énormément de monde qui jouait sur, comment dire, sur écran plat. Il y avait encore beaucoup de monde qui jouait sur tube cathodique. Moi, je me souviens, ma PS3, la toute première que j'ai eue, j'y jouais pas sur. Capitaine, vous voyez ce que je vois? Oh putain, le capitaine Nathan Hale, notre personnage, il a pas un charisme de fou, hein. Physiquement, en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Oh putain la vache! Je me fais bouffer par des cafards. Est-ce que c'est ça qui est le vecteur du virus? Et voilà, c'est ça. Le seul indice est un extrait de journal retrouvé sur le corps d'un infirmier américain. Il raconte avoir rencontré un grand nombre de soldats comateux dans un ruisseau asséché. Un des soldats, un sergent, se serait réveillé. Contrairement aux autres soldats, ce sergent ne souffrait d'aucune blessure. Le sergent refusa tout type d'examen médical. Il insista pour rejoindre le reste de la compagnie. Si ce sergent était en fait Nathan Hale, il serait alors la seule personne connue à s'être réveillée après avoir été infectée. Aha. Le virus chimérien aurait-il muté en lui? Son corps aurait-il possédé une résistance innée? C'était un mystère. On aurait été infecté et on aurait résisté à l'infection. C'est-à-dire qu'on ne se serait pas transformé. Le seul survivant. Donc là, j'ai l'impression qu'on a fini le premier chapitre, visiblement. Ça m'a l'air d'être le cas. J'ai l'impression qu'en tout cas la narration est vraiment sympa. Donc ça c'est toujours cool à signaler. Mais écoutez, j'ai envie de voir plus moi de ce jeu. J'ai envie de voir plus, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner, clairement. Carrément même. Les musiques sont bien, mais on les a très peu en fait. Ça fait vachement de musique un peu à la Predator, etc. J'ai entendu qu'un ou deux s'était fait laminer. Allez! C'est fait laminer. Alors attendez, on va récupérer un peu les munitions. On va suivre notre pote. Alors voyons un peu là. Techniquement, ce que ça donne. Ah, en fond! Mais bon, c'est normal aussi, c'est les feuilles d'arbre. Ça aliase un peu. Mais c'est pas si flagrant que ça. Oh, excellent! Un bestiaire un peu différent. Peut-être qu'on va commencer à s'amuser un peu là. Après cette mise en bouche. Ah si en plus on a un bestiaire. Le mec il dit un vestiaire. Un bestiaire varié, ça peut être tranquille. Franchement ça peut être cool. Oula, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc passer derrière moi. Une espèce de champignon chelou. Ah c'était ça je pense. Ah mais voilà, je peux viser. Oh putain la vache. Le bouton pour viser, c'est un clic sur comment dire, c'est un clic sur L3 sur le stick. Putain, j'étais loin d'imaginer que en cliquant sur L3 ça allait faire ça allait viser. Je vais monter peut-être là-haut avec lui, avec mon pote si je peux. Non, je peux pas passer par ici. Putain, il saute de 2 cm du sol, c'est abusé. Voilà. Non plus.
Ok, bon bah c'est tout, je reste en bas. Ah voilà, l'escalier, parfait. Ah, les déplacements sont quand même relativement lents. Les déplacements sont lents, mais ça va, ça va, ça va. Si on peut obtenir une certaine nervosité dans le gameplay, c'est cool. Ah, par contre, la visée comme ça est... Je suppose qu'ils ont très certainement changé le gameplay au fur et à mesure des épisodes. Il y a de grandes chances qu'ils aient réadapté un petit peu la série au standard de ce qui s'est fait après. Notamment la course avec L3, le tir avec les gâchettes, les grenades avec R1, je pense qu'ils ont dû changer un peu les choses. Alors attendez, hop, pour changer d'arme, c'est comme ça, voilà. Utiliser leur espèce de needler. Excellent. Ah, par contre, même pour changer d'arme, vous voyez, je suis obligé de faire R2 et un stick. Alors que on n'a pas de raccourci directement, de raccourci sur les flèches ou un truc qui soit plus rapide, quoi, tout simplement. Juste plus rapide. Il est mort, mon compatriote. Putain, je crois qu'il s'est fait buter. Et merde. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Mars 1950, journal médical, docteur. Yann Coxen. Une étude approfondie de la psychologie chimérienne suggère que leur capacité de régénération rapide n'est peut-être pas entièrement due à leur métabolisme. Ah, révélation. Nous savons que des dégâts suffisants les tuent ou leur infligent des blessures pour qu'elles ne peuvent se régénérer. Mais les dernières découvertes suggèrent que les chimères ont développé une bactérie symbiotique qui complète et amplifie leur capacité de régénération. Ces bactéries sont suspendues dans un fluide visqueux jaunâtre, donc c'est ce qu'on vient de ramasser, hein, visiblement, que nos chercheurs ont baptisé sérum Simbac. Nous pensons que la bactérie détruite pendant la régénération, ce qui signifie que les chimères sont dépendantes d'injections supplémentaires du sérum lorsqu'elles subissent d'autres blessures. Très bien. Ok, munitions. Tout va bien. Munitions encore. Voyez là, ça c'est l'exemple typique d'un jeu de l'époque, quoi. La texture sur les vitres, quoi, elle est immonde. Alors certes, elles sont destructives, mais... Ah, mais voilà! En appuyant une seule fois... Il l'avait pas dit. En appuyant une seule fois, je peux changer d'arme. Ok, c'est quand même mieux. Merde. Ouais, la texture sur les vitres, même si on voit un peu à l'intérieur, est immonde. Voilà. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, petite musique d'ambiance, quand même. Ça fait plaisir. Un document. Je vais pas tous vous les lire, hein, sinon on n'a pas fini les mecs. Hein. Ok. Wow. Hey, c'est un show, lui. Ok, merci la grenade, ça fait plaisir. Hein. J'étais pas... Oula, attention. J'étais pas dans la meilleure des positions, là, pour le coup. C'était un peu tendu. Je crois que j'en ai vu un là-bas, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de viser la tête. Putain, merde, j'ai halluciné ou quoi? Ah ouais, non, j'ai pas halluciné. Putain, le feeling de tir à l'arme automatique, à la mitrailleuse, c'est exactement le même que dans Killzone. Ça me fait halluciner. J'ai l'impression de jouer à Killzone sur PS2.
balance une petite grenade. Voilà. Au moins, ça c'est réglé. Ici Winters, Baker 1, on approche sur la route Kilo, à 2 km du dépôt. Qui se trouve près de ma position, au rapport. Ok, donc je récupère de la santé avec ces injections, vous voyez ce que j'ai ramassé là. Ce que je cherchais désespérément dans le premier niveau, que je n'ai pas trouvé. Et pour l'instant ça se passe pas trop mal. On se débrouille. Et je suis content en tout cas de l'initiative que j'ai eue de faire ce live trip sur le début du jeu. Je me suis posé la question, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va pas être intéressant, est-ce que je vais me débrouiller correctement, mais en tout cas je suis content parce que ça a pas l'air trop mal. J'ai envie d'en savoir plus et bah pour un avant-goût sur cette licence dont j'ai les 3 épisodes parce que j'avais acheté vu que c'était les 3 exclusivités. Enfin les 3 épisodes sont des exclus. J'avais vraiment envie de voir ce que ça proposait sur PlayStation 3. Donc du coup bah je suis satisfait d'avoir vu et je pense que je vais continuer. Hein. Clairement ça a l'air vraiment pas mal. Il y a l'air d'avoir un truc, quoi, franchement. J'aurais tort de dire le contraire. Ok, un char. Ah putain, donc je peux conduire le char. Ah bah génial. J'espère qu'on va pouvoir foutre un bordel de... Ok, sur rond pour passer à la tourelle. Ok, génial. D'accord. Ok, bon, bah ça a l'air de le faire. Voilà, bon, on va dégommer tout ça. Ok, donc le canon avec R1 et puis après on se débrouille tranquillement à la tourelle avec la touche P. Ça va faire du grave. Par contre, faut que ça recharge, hein, sinon. Là-haut, pas de soucis. Ah, c'est bien qu'ils aient mis des phases en véhicule. Ça, c'est cool. Ça manque un peu de dynamisme. Bon, en même temps, on est sur un tank, donc c'est pas le truc qui roule à 100 km/h, forcément. Mais bon. Petite musique qui a l'air plutôt cool. Ça fait plaisir. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là, clairement. Hein. On va pas non plus aller trop loin. C'est pas le but. Essayer de terminer peut-être le chapitre. D'arriver au prochain point de... Comment dire? De narration. Voilà. Histoire de... De s'arrêter sur un truc bien. Il y aura eu quelques morts, mais dans l'ensemble, ça va. Il n'y aura pas eu trop de fails. À mon avis, c'est par là. J'aime pas trop la... Oh putain, 3 en même temps. Un petit air de Gears of War dans cette ambiance un peu dévastée. C'est rigolo que ça me fasse penser à ça. Un petit air de Gears avec ses monstres, vous voyez. Sauf juste, voilà. C'est le côté dévasté qui me fait penser à Gears. Hein. C'est pas... Parce que voilà, Gears c'est plutôt dans un côté moderne quand même, mine de rien. Qu'est-ce qu'on a? Un temps de chargement? Une cinématique? Les Américains se regroupèrent dans un dépôt de bus abandonné dans le sud-est de York. Sous le commandement du capitaine Winters, ils mirent sur pied une audacieuse offensive tactique. Les chimères commençaient à resserrer l'étau sur leur position. Si les Américains pouvaient sécuriser les lieux, ils auraient une zone d'atterrissage idéale. Et la balance pencherait en leur faveur. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, hein. Ça fait une petite... Une petite mise en bouche concernant Résistance, un jeu qui est sorti en 2006 au line-up de la PS3.